Quel est son chanteur préféré? Ah, je sais. Je sais pas. Tu sais pas du tout? T'as mis chanteur ou chanteuse? Chanteur. Chanteur. Tu sais pas du tout? C'est bon? Dis au hasard. Elle en connaît pas beaucoup, je pense. Je sais pas. Eh bah, ok. Gims. Gims. Oui, okay. Ah. Ok, pas mal, pas mal. Quel est... Ah bah, bonne question aussi, simple, mais parfois on sait pas. Moi, je savais que je commençais à bugger avec ma maman. Quel âge a Anne? Attends, 37 ans. Mais chut. Ouais, dans la tête, hein. Sophia, chut. Ouais. T'as vu, on se croirait à un terreau. Oui, de fou. Ouais, ça fait flipper. Hein. Donc... Toi, tu valides 37 ans? Ouais. Et Aya, t'es d'accord? 37 aussi. 37 aussi. Mais 37 et combien de mois? Oh, ah, oui. Ça, je sais pas. Eh ben voilà. Mais c'est quoi sa date de naissance? Ouais. C'est le jour du Nouvel An. Le 11 décembre. Alors, Le 31 décembre. C'est le 31 clair. Décembre, ouais, voilà. Parce que j'étais vraiment. Bon, ça va être le Nouvel An du Maroc, visiblement, mais c'est pas. c'est pas le Nouvel An ici. Quel âge? Oui, quelle est sa... Attends, il y avait un bon truc tout à... Ah oui, c'est parce que c'est très précis. Quelle est... Tu bugs ou quoi? Non, ouais. Quelle est sa taille de chaussure? Ah. Quelle est sa pointure? Ah, elle le dit pas. Aya, attends, le saut, tu le dis pas encore. Elle chausse du combien, à ton avis, Sophia? Ah, et Gwendal, on est 1524. Donc après le challenge, il y a un cadeau. Allez, vas-y. Regarde-toi, hein. Je sais pas. Ah bah alors, dis au hasard. Dis au hasard. Essaye de deviner. C'est toi, c'est moi. 30 machin. 20. 32. 32. Ah, c'est grand, 32. Hein. 32, c'est enfant. Hein. Ouais, non. Si. Bah, pas du tout. Hein. Si, c'est enfant. Pas 32. Du tout. 32, c'est enfant, mon frère. Eh, frère, 32, c'est pas enfant. Hein. 32, si. C'est... 32, si. C'est... Tu dis ça pour qu'elle te dise et qu'elle perde. Ah, oh, c'est vilain, ça. Ah. Ah. En fait... Alors, dis un chiffre. Toi, t'as dit 32. On va dire 32 ou un peu plus ou un peu moins? Toi aussi, t'es Ravenzela, 34. En fait. Comment? 34. 34, okay. OK. 34. Et toi? Hop. 38. 38. Et ça, je suis sûre. Et pourquoi t'es sûre? Vas-y, balance. Mais parce qu'elle me l'a dit où je vois sur ses chaussures. Ah, d'accord. Tu enquêtes sur la taille des chaussures de ta mère. Elle enquête, oh, elle enquête. Elle enquête, hein. Quel est son plat préféré? Tu dis pain, même si tu sais. Ça sent le couscous encore, hein. Chut. Bah ouais, ça sent le couscous. Peut-être 3, c'est pas ça, hein. Ou peut-être un tagine. 2, 1, couscous. Oh. Bah attends, non, mais attendez les filles. Le couscous, c'est un ordre général. Soyons précis, c'est couscous royal, couscous végétarien... Couscous poulet. Poulet? Oui. Ok. Attends. Toi aussi, tu valides? Ah non, mais là, c'est trop facile. Ouais. Trop facile. Okay. Quel est son animal préféré? Ah, oh, ben facile. Attention, elle écrit d'abord. Ouais, d'abord. Ok. Sophia, tu crois que je te vois pas? Ah, c'est pas lire. Ah, oui, c'est vrai. Tiens, est-ce qu'elle te fait croire? 3. Oui. 2, 1. Chien. Ok. Magique. Bah, on a un chien à la maison. Il s'appelle comment? Pipa. Il s'appelle comment? Pipa. C'est Pipa. Ah, c'est Pipa? Oui. Mais pourquoi vous l'avez appelé Pipa? Bah, on sait pas. Ok. Quelle est sa plus grande phobie? Phobie, ça veut dire quand t'as peur vraiment de quelque chose. Alors, mais elle en a deux, je crois. Eh ben, les deux. Attention, et nous sommes 1550. À 1600, je mets un autre cadeau en jeu. Hein. Ouh, les cadeaux. Attention, 1, 2, 3. Araignée et les slimes. Et toi, t'allais dire quoi sur ça? Elle déteste les grosses araignées et les cafards. Ah, là, on n'est pas okay. D'accord. Il n'y en a pas à la maison, mais elle n'aime pas le slime. Elle déteste. Au Maroc, on en a vu. Alors, mais araignée. Elle n'aime pas du tout. Araignée, slime pour... elle n'aime pas Aya. Du tout. Aya. On n'en a pas et du tout à la maison. Et les cafards. Non. Cafards non, et araignée pour Sophia. Après, le slime, c'est dur d'avoir une phobie sur le slime. Bah, parfois, c'est non, juste la phobie, genre, elle déteste. Ah, vraiment? Alors, ça la dégoûte un peu. Genre, par exemple... Voilà, ça la dégoûte. Genre, par exemple, elle voit du slime. Quelle va être son attitude? Vas-y, vois. Comment ça? Bah, comment elle va faire si elle voit du slime? Elle fait quoi? Imite la. Ah, non. Ah, non. Ah, dis juste non. Ok, d'accord, c'est une grosse phobie. Attends, je note.
Okay. Vraiment pas du tout. Dès que je lui demande, elle dit non. Ok, donc c'est un... Ouais, il n'y a pas de discussion. Donc, ouais, voilà. Non slime. Okay. Alors, quel est son... On va faire ça un petit peu plus large. Quel est son TikToker ou sa TikTokeuse préférée? Je sais pas du tout. Oh là là, il y a beaucoup de questions sur le chat live. Bah, écoute, j'essaie de suivre. C'est... Non, mais c'est dur, il y en a beaucoup. Alors, un seul, son préféré. Ah. Ou celle, l'un ou une qu'elle adore. Elle regarde tout, sauf mon compte. Hein, le mien, je sais qu'elle a beaucoup. Quoi? Bah, je sais pas du tout. Tu sais pas? Même au hasard? Non. Bah, alors une autre question. Ok, allez. Une autre question. Quelle est sa plus grande qualité? C'est quoi? Une qualité, son, tu sais, il y a les défauts et il y a les qualités. Ce qu'elle fait le mieux. Qu'est-ce qui est le mieux chez elle? Vas-y, écris. Je réfléchis. Ou on peut faire le plus gros défaut. Hein. Bah, alors, dans ce cas-là, c'est plus simple de dire le plus gros défaut. Ouais. D'habitude, il y a plein de qualités, mais... Oui, c'est qu'il y en a plein. Oui. Ok, alors, son plus gros défaut. C'est quoi? Bah, un défaut, c'est... C'est quoi, d'ailleurs? Un défaut, c'est un trait de caractère. C'est-à-dire que toi, par exemple, tout à l'heure, souvent, c'est pas forcément quelque chose de positif. Genre, bordélique, tu sais que ça va pas faire plaisir à ta maman. Voilà. Donc, on dit que c'est un défaut. Être en retard, c'est un défaut. Voilà. Par contre, être à l'heure, c'est une qualité. Voilà. Oh, tu exprimes tellement bien les choses. Mais... Elle est en retard. C'est toi qui m'as appris. Elle est en retard. C'est moi. Même non, mais attends, il faut l'écrire d'abord. Écris-le. Écris-le. Et toi, alors, du coup, Sophia, tu me dis quelque chose? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas du tout? Oui. Qu'est-ce qui t'agace chez ta maman? Ouais. Elle me demande de vider la vaisselle toute. Ah, donc. Ah, ben moi aussi. Alors, dans ce cas-là. Ah, ben non, mais. Toi, vas-y, retourne. Le retard. Donc, toi, c'est retard, donc c'est la ponctualité. Et donc, toi, pour toi, Sophia, on peut dire que c'est. Non, peut-être maniaque. C'est vider la vaisselle. C'est vider la vaisselle, c'est pas maniaque, hein. Non, c'est vider. Bah, la vaisselle. Bah, oui. Bah, oui. Ok. Bah, oui. Ok. 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 Et du coup, Aya, elle a dit quoi? Retard. Retard. La bouée, le retard. Alors, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3. Encore 3? Ouais. Alors, quelle était sa matière préférée à l'école? Ouais, bonne question. Ah, je sais. Ok. Chut. Matière préférée. C'était quoi, toi, Gwen? Moi, le français. Ah bon? Ah, moi aussi. C'est ma matière préférée. Ah ouais? Ok, alors attention, l'anglais? Ah, l'anglais c'est... Elle a dit quoi, So? L'anglais? Attention, l'anglais? Oui. Ouais, moi aussi l'anglais. Hein. Ah, ok. Ah ouais? Elle ouais. l'a dit une fois dans la voiture. D'accord. Parce qu'Aya, elle avait dit qu'elle a fait l'anglais. Ah ouais? Ok. Oui, le lundi. Mais et j'avais dit que j'aimais pas, elle m'a dit « Ah ben moi, c'était ma matière préférée. » Ah ouais, mais c'est l'anglais du lundi, hein. C'est pas assez précis, hein. Anglais du lundi. Et alors, quelle est la matière qu'elle déteste le plus? Ah, bah facile, trop facile, trop facile. Ah, elle ouais. est nulle, hein, cette matière, elle m'a dit. Nulle? Attends, il y a une bonne question, après, ce sera la dernière, c'est la taille. C'est la taille... Ah, bien. Ouais, parce que ça, je suis sûr qu'elle ne sait pas. Je sais pas, moi. C'est bon? Ouais. Mais maths, t'aurais dit la même chose, Sophia? Non. Elle aurait pas dit ça. Aurait dit quoi? Ou le français. Ah, ça y est. C'est le français. Alors, français. Français pour toi? Et moi, le maths. Ok. Moi, les maths, c'est ma matière préférée. Ouais, mais il y a manipulation, là, de Aya sur Soso. Hein. T'as vu, elle lui souffle la deuxième. Ouais, il y a une petite, influence, mais bon, écoute... Et dernière question, donc, c'est la taille. Et après, on fera revenir notre amie Anne. Quelle est la taille ouais. de votre maman? En centimètres. En centimètres? Ouais, ouais, ouais. Un mètre et combien de centimètres? Ah, ok. Ouais. Je sais pas, moi. Je crois, hein. Je crois bien, elle m'avait dit. 1m60? Oui. 1m60. Et Sophia, t'aurais dit quoi? Elle connaît pas encore les taux. T'aurais dit 1m20, ouais. 1m20, ouais, super, ouais. vraiment. C'est presque ma taille. Voilà. Ouais, ouais. Et ça marche. Ouais, ça marche, c'est bien. Hein. 1m20. 1m20 d'amour. 1m20 de bonheur, mais un grand cœur, Gwendal. Eh ben écoute, on peut rappeler Anne. Alors Gwendal, le problème c'est qu'elle a pris le périph et qu'elle est rentrée à Angoulême. Ah. Ouais. Alors là, pour aller la chercher, ça va être compliqué. D'accord. Mais, je pense, d'histoire de la faire revenir, je pense qu'il faut applaudir bien fort, faire du bruit et tout avec la musique. On y va, les amis. Go. Alors, c'est trop marrant parce que vraiment, t'es vraiment arrivé en mode
c'est commencé à être un peu long. Qu'est-ce qu'elles ont raconté sur moi, les filles, là? Tout va bien, okay. Franchement. Et elle, enfin, c'est trop mignon. En vrai, j'ai rien entendu. T'as rien entendu? Non, non, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, j'ai pas regardé, j'ai pas mon téléphone, c'est Marine qui l'a, j'ai pas. C'est vrai, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et ben écoute, on va te poser des questions et on va voir si ça suit. Ok. Alors, on avait commencé par des questions de chauffe, je crois, mais allez, la première, c'était quoi, ta couleur préférée? Ouais, j'ai tout, hein, t'inquiète pas. Super. Le noir. Et le rose. Ouais. Voilà. Ok. Ça, les deux ont répondu vraiment du tac au tac. Ouais, ah, vous avez dit le noir et le rose? Oui. Ah bah ouais. Parfait. Bah, c'était la question de chauffe. Après, okay. On est parti sur ton chanteur préféré. Moi, j'ai dit, je sais pas. Toi, t'as dû dire Maître Gims. Oui. Ouais. Et c'est vrai? Oui, oui. Maître Gims. Ok, ça fait un, deux, trois. Ouais, bah, j'étais pas sûre. Après, on était parti sur le plat préféré, peut-être? Ouais. Bah, facile. Voilà, trop facile. Le couscous. Couscous poulet, oui. Couscous poulet, ok, ok. Ok, ça marche. Ça me donne faim de ouf. Après, ouais, ah, là, oui. Ta taille de chaussure. 38. 38, ouais. Elle n'avait pas de doute. Pour le coup, Aya n'avait pas de doute 38. Là-dessus. Sophia a dit 32. 34. Ouais. 34. Mignon. Ok, ensuite, on avait... On avait quoi, Jo? L'animal préféré. L'animal. Bah, le chien. Voilà, le chien. Vous avez dit la race? Pas. La race Non, Spitz Loulou. Des oui, notre chien, on a un Spitz Loulou. Ouais. Et après, on est parti... pourquoi tu l'as appelé Pipa, le chien? Et elles n'ont pas su répondre, ça? Non. Non, c'est à cause de Pipa Middleton. Ah, mais j'en étais sûre, j'osais bah, pas ouais. le dire. Elle a trop la classe. Ah, ouais, effectivement, effectivement. D'accord, ok. Elle fait la grâce mat. Oui, c'est une princesse, elle avait. C'est vrai Pipa, ouais. Quelles sont tes deux plus grandes phobies? Ouais. Alors, les araignées. Ouais, ok. Et l'autre, un autre insecte, vous avez dit? Non. Alors, moi, attends, j'ai dit un slime. Ah oui, alors c'est pas une phobie. Non, il faut pas dire, faut pas dire. Hein. T'as dit un insecte? Les ouais. punaises? Non. Bah quoi alors? Les cafards. Oui, les cafards, enfin, tous les insectes en général, ouais. Et ouais, le slime. Ça me dégoûte, je veux pas qu'il y en ait chez moi du slime. Alors on n'a pas trop compris le délire en fait du slime. Ah ça me dégoûte le slime. C'est la matière, ça se colle dans les cheveux, dans les doigts, sur les chaises, partout, ça me dégoûte. Donc ouais, je sais que si là je suis pas cool. Elle a mis dans les cheveux une fois. Si, elle a mis ses cheveux dans le slime et après bah, elle a galère quoi pour l'enlever le tout. Donc, bah, ouais. Beaux cheveux longs. Bah oui. Donc le slime c'est interdit chez moi. Ouais. D'accord. Donc, alors, c'est un regret, ouais. Tes plus grandes phobies, il me semble qu'après on avait ta matière préférée. À l'école? Ouais. L'anglais, ouais. Ouais, voilà. Bien. Putain, t'es forte, hein? Ouais, t'es bien. Sophia aussi, elle l'a dit. Ah ouais, ouais. Lundi quand je t'avais dit que j'avais anglais, oui. Je savais pas, tu m'as dit que c'était... Ma matière préférée à l'école, ouais. Et donc la matière que tu détestes le plus? Les maths. Les maths. Aïe, 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 c'est aïe, hein. Sophia a dit le français. Ouais. Ah non, c'est faux. J'ai fait un bac littéraire, donc... Ah, ouais. Ouais, mais... T'as fait exprès. Ouais, Aya, t'as fait exprès. Hein? Si, t'as fait exprès. Bah, tu sais très bien. Bah oui, je savais. Non, non, tu sais très bien. T'as dit d'abord français, et après, t'as soufflé maths à ta sœur. Pas du tout. Non, je savais direct les maths, parce qu'elle m'avait dit qu'elle était nulle en maths. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et alors, pardon, j'étais en train de lire le chat live qui n'est pas la bonne question. Ta taille? 1m60. Ouais, trop bonne forte. Réponse de Aya. Bravo. 1m20. 1m20, oui, merci Sophia. C'est du bon, 1m20 d'amour. Mais si je fais du 34 et du 32, oui, en même oui. temps, c'est cohérent. C'est cohérent. Ouais, ça va pile poil dedans. Et il y avait ton âge? 37. Ah oui, c'est vrai. Il y a 37, ouais. Et tu es né donc le 11 janvier, hein, c'est ça? Mais pas non, j'ai dit le 31 décembre. Ah pardon, j'ai rien suivi. Le 31 décembre, ouais. Ça, c'est fou quand même. Comme ça, tout le monde fait la fête. C'est vrai. Mon anniversaire, ouais. Eh bien, les chiffres ont parlé. Celle qui te connaît le mieux. Pour le moment. Pour le moment, mais ça va évoluer, bien évidemment. Bah, c'est Aya, on peut l'applaudir, bien joué.